Bonjour à tous, c'est Trigan. On se retrouve pour la suite de Pillars of Eternity. Tout de suite, la suite, parce qu'on est resté un petit peu sur notre fin la dernière fois en se contentant de la création du personnage. Mais bon, en même temps, ce genre de jeu étant tellement, tellement intéressant dans la création des personnages que ça paraît difficile de passer à côté. Je suis juste en train de me demander simplement s'il ne vaudrait mieux pas que la dénommée Eva se trouve derrière. Alors dans les formations, peut-être du coup qu'il vaudrait mieux envisager une formation en ligne avec, voilà, non pas, voilà, plutôt le guerrier devant. Voilà, là c'est le guerrier qui passe devant. Pour des raisons qui semblent évidentes, hein, c'est qu'effectivement c'est une incantatrice, donc elle n'est pas franchement calibrée pour le combat au corps à corps. Si elle porte notre Eva, elle porte une épée malgré tout, une épée à une main. On a ici une coquille dans le tooltip, hein, à une main, c'est écrit. Voilà. Bon, on va pas se plaindre, hein, puisque globalement il y a énormément de textes et ça a été tout traduit. Je sais qu'au début d'ailleurs, elle n'était pas forcément terrible cette traduction. Et petit à petit, ça c'est les enchantements, c'est pas mal, hein, on peut personnaliser notre équipement. Petit à petit, la traduction a été améliorée par quelques patchs, puisqu'il y avait quand même quelques vilaines erreurs de français là-dedans. Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, puisque les pouvoirs un peu particuliers de Eva, je ne les connais pas. Notamment cette fameuse incantation qui débouche très logiquement sur ça. Voilà. Trois fois elle fut trompée, trois fois elle se fit justice. Qui est une invocation tout simplement d'énergie électrostatique. Trois éclairs, donc qui inflige des dégâts électriques à tous les personnages présents sur leur passage. Alors du coup, je me dis que ça doit également être Friendly Fires, hein. Donc attention à ça quand même. Ça doit être Friendly Fire, je pense. Alors, on est à la recherche d'un buisson. On est à la recherche d'un buisson. Je pense que dans cette zone, il doit pas y avoir. C'est la première zone. Il doit pas y avoir énormément de d'ennemis. On a récupéré ici un ingrédient, truc qui pousse sur les murs. Ouais, là on revient au niveau du campement. Alors, il y a des choses là-dedans, vêtements de Deerwood et des crochets. Voilà, permettre de crocheter les verrous. On va tout prendre. Je pense pas en avoir besoin. Comme équipement, puisque je pense que de base, qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai un plastron, et là on a trouvé ça. Le plastron me paraît quand même beaucoup plus costaud. C'est marrant parce que finalement, avec cette classe de personnage et cette origine, elle vient quand même avec une épée et un plastron, donc ça donnerait presque l'impression qu'elle est quand même relativement faite pour le combat. Pourtant, c'est pas logique, ça va pas avec le personnage, puisqu'elle logiquement elle passe ses combats à faire des incantations dans un coin, quoi. Donc ça paraît logique. L'exploration est essentielle, nous dit-on dans Pillar of Eternity. Eh oui. Alors la carte de la zone que voici. Voilà, donc on a tout ce champ d'exploration qui nous attend. Pas d'ennemis pour le moment. J'ai programmé le jeu pour se mettre en pause automatiquement sur un ennemi à vue. Je pense que c'est le truc le plus raisonnable. Des petits animaux qui courent là, sympa. C'est sympa. Alors, rien de spécial par ici. C'est marrant comme on a tout de suite, avec ces jeux-là, la sensation de retrouver la grande aventure un peu. Ça a manqué quand même. Des voyageurs sans doute, ou des pilleurs, ou des bandits. Un mauvais signe de toute façon, vous l'aurez compris. Donc
qu'on peut inspecter. Le cadavre est froid au toucher, il s'en dégage par vagues une odeur de putréfaction. Une tache de sang foncé et croûté souille son vêtement en lin. Là, il y a des trucs à ramasser, une armure de cuir et des crochets toujours. On ramasse, on ramasse. Dans ces jeux-là, en général, on démarre toujours avec pas grand-chose. Donc, les petits trucs qu'on trouve à droite, à gauche sont toujours assez précieux. Donc, on a dégagé tout ce coin-là. La zone, de toute façon, me paraît pas très très grande. Bon. On va peut-être ouais, on va peut-être aller voir tout de suite ce qu'il y a au-delà du pont. Alors, tabulation pour sélectionner les objets interactifs dans l'environnement. Nous dit-on. Sauf que là, je vois rien. Je sais pas pourquoi ils mettent ça à cet endroit-là, puisque la touche Tab ne me révèle pas le moindre objet interactif. Alors, là non plus. Alors ça après, c'est pas un souci. De toute façon, il est très très probable que un de ces quatre enregistrements, je réassigne toutes les touches, puisque là, je déplace la caméra avec les touches fléchées, et je déteste ça. Donc, je vais sans doute mettre ça sur ZQSD. Ah, un campement ici. C'est récent. Pas bon, pas bon. Les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours, voire davantage. Ok. Là, ça. Tiens, la sortie de la zone par ici. Rien à ramasser par contre. Ah, si, voilà. Effectivement, la touche Tab qui permet de mettre en surbrillance voilà, les objets que l'on peut choper. C'est vrai que des fois, dans des petits éléments de décor, c'est pas toujours évident. Une bière, c'est bien ça, une bière. Petite bière bien fraîche. Enfin, là, elle doit pas être très fraîche, mais bon. Alors, où sommes-nous? Ok, donc ça, c'est l'autre côté de la rivière. On va revenir par ici. Pas eu trop l'occasion de tester le pathfinding, on peut essayer. Oh, je pense que ça doit aller à peu près. Il faudra voir quand on aura un groupe de personnages plus nombreux et que directement sur la carte, j'irai choisir un endroit, cliquer sur un endroit pour voir si le parcours qui est fait est logique. Ou si c'est un truc complètement tordu. J'aimerais bien pouvoir essayer mes pouvoirs. Ça serait pas mal d'essayer mes pouvoirs. Car je ne connais pas cette classe de personnage. Totalement inédite pour moi. Ah. Qu'est-ce? C'est de la dame brûlée. Donc c'est pas l'ingrédient qu'on recherche. Non, c'est pas l'ingrédient qu'on recherche. Consommable. Non, là, ils y sont tous. Autre. Donc du coup, ils n'ont pas été mis là. Donc je pense que c'est parce que c'est des objets d'artisanat en fait. Donc ils sont pas stockés ici. Ils sont mis ailleurs. Je sais pas trop où. Forteresse, ça. J'ai hâte de voir ça. Comportement d'IA, apparence. Bon. Ouais, non. Let's check by those outcroppings. Allons voir ces affleurements, dit-elle. Ah, voilà, ça y est, un ennemi. Donc c'est un jeune loup qui se trouve là-bas. Donc j'ai programmé pour que ça soit en pause automatique et en... Comment? Vous voyez, si j'avais cliqué là-bas pour un ordre de déplacement, il aurait annulé mon ordre de déplacement. Voilà, c'est bien qu'il y ait cette option. Ça permet d'éviter effectivement qu'il y ait des problèmes. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu, c'est du temps réel. On peut le jouer totalement en temps réel. Et enlever les pauses et ne jamais les mettre. Mais dans certains combats très ardus, c'est difficile. Dans un combat de base comme celui-là, ça poserait pas franchement de problème. Mais ça serait pas le cas. Alors, ouais. Alors, lui, il va se diriger par là.
On va demander à notre enchanteuse d'aller par là. Voilà, attention quand même. On va la mettre sur le côté et puis elle va entonner son fameux chant. Peut-être pas ici plutôt. Voilà, se met à chanter. Qu'est-ce qu'il dit là ? Parfois une arme ou un sort ne permet pas de pénétrer la réduction de dégâts. Alors vous voyez ici, je vais augmenter pour qu'on puisse voir. Eva chante, venez, venez, doux vent de la mort. Eva touche le jeune loup, éraflure. Voilà. Endurance moins 5,6 pendant 5,5 secondes, ce qui fait quand même très très mal. Voilà, si on place le curseur sur le jeune loup, on voit qu'il est sous l'incantation de venez, venez, doux vent de la mort. Il en a deux sur le dos d'ailleurs. Et à mon avis, ça va lui faire tout drôle. Et il est en train de cramer sur place. Voilà. Donc cette incantation, elle fonctionne, hein, y a pas de souci. Par contre, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est de voir à partir de quand on peut déboucher sur ça. Puisqu'il avait disparu tout à l'heure pendant le combat. Enfin, mon invocation requiert que 3 phrases soient prononcées. D'accord. 3 phrases. Ok. Intéressant. 3 phrases. Mais je sais pas si c'est 3 phrases différentes. Non, je pense pas. Ok. Ou pas. Je sais pas finalement. Peut-être qu'il faut 3 phrases différentes, effectivement. Ici, on a un log qui est complet. Hein. Ça, c'est excellent. On a tous les jets. En plus, vous voyez là par exemple, on sait que le jeune loup touche Kalissa pour 0,7 dégâts de perforant, donc ce sont des éraflures. Mais si on laisse le doigt sur cette annonce, on peut voir les lancers qui ont été faits. Alors ça évidemment, pour les amateurs de précision dans ce genre d'opération de combat, c'est forcément génial quoi. Peau de loup. Voilà, ça a une valeur, hein, 5 pièces de cuivre. On a toujours des petits descriptifs, hein, c'est ce qui fait le charme de ce jeu, il y a de la lecture. Fourrure très recherchée pour la chaleur qu'elle procure, et les dents des spécimens les plus forts constituent des trophées impressionnants. On va tout prendre. Voilà. Vous avez porté un critique, j'avais même pas vu cette annonce. Ici c'est pas bien joli ce qu'il y a par là. Voilà, donc en fait c'était eux qui protégeaient le fruit, la baie que l'on recherche pour soigner les maux de ventre. Il paraît que vous êtes un genre d'artiste, c'est vrai. Plutôt un performeur, je gagne ma vie comme artisan. Oui, dans le sens très, j'essaie de capturer la vie telle que je la vois et je crée quelque chose de nouveau. Ah ouais? Alors comment se fait-il que vous veniez par ici? Je ne me sens plus inspiré, je ne sais pas pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai perdu. Certaines choses ne sont tout simplement pas dans les étoiles, et on ne peut rien y faire. C'est à se demander si les dieux aiment nous mettre dans des situations qui ne peuvent être résolues, juste pour voir comment on ferait. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici, mais ce chemin m'a toujours plu. L'offre du seigneur Raedric, ça fait réfléchir. Je reconnais cela. Vous êtes là pour vous installer, comme tous les autres? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Il n'y a pas de mal à ça. Je pourrais tout aussi bien d'abord visiter l'endroit. Alors vous devez avoir un autre plan en tête pour venir jusqu'ici. J'espère rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse. Probablement les mêmes choses que j'ai faites auparavant. Juste en quête d'un peu d'aventure. Droit vers les ennuis, je suppose. J'espère rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse. Je ne veux pas vous effrayer, mais en voyant à quoi ressemblent certains de ces types ruraux, vous devriez reconsidérer cette envie. Beaucoup de dents de côté et des poils poussant à des endroits inattendus. De toute façon, je perds mon temps ici. Odema m'en mettra plein les oreilles. Mettons-nous en chemin. Parlez-moi de vous. J'ai des besoins simples. J'aime les ciels ouverts et les vastes horizons. Je m'adonne à un travail qui me permet de vivre ainsi. Ma famille vague, elle aussi. Nous avons commencé dans le Direwood. Mais mes parents ont fini dans les terres vivantes. J'ai un frère à Raute et un autre en Aedir. Ma sœur est à Val Doré, elle est la seule du genre casanier. Pourquoi êtes-vous là? Ma sœur
est venue s'installer ici il y a un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. Elle semblait soucieuse. Mais elle est toujours comme cela. Cette fois-ci, cependant, elle m'a demandé de venir. Et cela m'a un peu inquiété. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je travaillais comme guide à Xamil. Mais je ferai n'importe quoi pour elle. C'est une meilleure femme que moi. Alors me voici. Et nous verrons bien. Au démarrage, j'ai déjà travaillé avec lui. Il ne passe généralement pas par cet itinéraire, mais il le fait pour moi. Très bien. Retournons au camp. Si j'étais vous, je ne m'attendrais pas à ce que Sparfel nous rapporte bientôt de l'eau. Il fait ce qui lui chante et quand ça lui chante. Nous devrions d'abord vérifier s'il va bien. Le gifler un peu. Le ruisseau n'est pas loin d'ici. Allons-y. Allons vous chercher votre eau. Ok. Donc le journal a été mis à jour. Il n'y a pas d'autres objets dans le coin. Alors, au niveau de la carte, ouais, il y a une zone ici qui n'est pas découverte. Ok, rien. Alors ici, il y a de l'herbe d'Admet. J'ai un peu l'impression d'être dans le Witcher, en train de ramasser tout un tas de baies, de plantes, de fleurs. C'est sympa. Nous ne devrions pas nous aventurer trop loin. Bah oui, parce que il y a une sortie de la zone par ici, mais c'est pas vraiment le moment. Donc on va retourner un petit peu par là, vu qu'on a paumé l'autre. What a surprise! Sparfle went hunting. At least he left the water Ah, skins. Come il on. est parti chasser, au moins il a laissé les gourdes. Donc on a effectivement ici une gourde pour l'eau qu'il a ramassée, donc c'est très bien. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kalissa monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement la limite des arbres. Le groupe a gagné un objet quête, ajoute la réserve gourde pleine. Parfell, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Sparfell, are you all right? Kalissa fronce les sourcils. Sparfell, vous allez bien? Sparfell trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Oh oh. Ambush. Une embuscade. Ok. Atteignez le camp, c'est notre nouvel objectif. Donc là, on a deux lascars sur le dos, un chasseur et une ch ouais, un chasseur aussi. Une chasseuse, non? Je sais pas. Donc Glanfantan. Je pense que ce sont des gens du coin. Alors, on va probablement. Eva n'est pas très bien placée ici. Je vais l'éloigner. Je vais demander à l'autre d'attaquer celui-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Lui, il va nous. Ouais, c'est un peu chiant. On va essayer de se rapprocher de celui-là. Voilà. Et puis là, bah, on va chanter notre chant de la mort. Ouais, non, ça marche pas. Pour une raison que j'ignore, je l'attaque au corps à corps. Je pense qu'elle m'a interrompu, sans doute. Ça ne marche pas, ça. Par là. Ah mince, elle était en train de chanter. Je l'ai arrêtée. Elle chante tout le temps. En fait. Ouais, c'est pour ça qu'elle est en feu. Qu'il est en feu. Ouais, ça marche pas trop mal, hein, ses pouvoirs. Hein. Ça marche pas trop mal. Là, on trouve un arc, ce qui peut être très intéressant. Et une armure de peau. Parce que. Il a tout intérêt à être mobile, Eva, et je me demande même si l'arc, effectivement, ne serait pas une meilleure idée pour elle. Ceci dit, je dois pas avoir de flèches. Je pense que ce jeu, normalement, c'est du genre à avoir des carquois. Pas, je ne sais pas. Dans Baldur, il y avait des flèches. Je sais pas si c'est le cas ici.
Peut-être pas remarqué. Faut dire que les provisions qu'on pouvait engranger de flèches dans Baldur's Gate, c'était pas non plus forcément toujours utile. C'est une, en fait, c'est sa deuxième arme là. Peut-être que ça serait mieux de l'équiper de ça finalement. Petit cochon lui derrière, il s'en fout. Alors, faut qu'on retourne au camp. Je crois qu'on peut dire globalement qu'on se sent pas très très bien. Des ennemis ici. On va enlever la pause. Un autre ennemi ici. Oh là, ils sont trois quand même. Alors, on va se mettre à chanter tout simplement. Mais en fait, non, le chant il est toujours actif là. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Y a pas de script pourtant, j'ai pas mis de script, aucun script d'IA sélectionné. Ouais. D'accord, donc elle chante comme ça par défaut en fait, si je puis dire. Par contre, là elle utilise son arc, alors du coup je comprends pas. Venez, venez, doux vent de la mort. Ouais, elle utilise ça, mais elle utilise son arc quand même. C'est assez étrange. On va lui tirer dessus quand même. Ouais, le feu en fait c'est elle avec sa torche. Bon. Du coup j'arrive pas trop bien à déterminer si je leur fais des dégâts ou pas avec. C'est quand même important alors. Je vais revenir un petit peu au début de ce combat. Commence à chanter l'incantation 1. Eva touche le chasseur avec venez, venez, doux vent de la mort. Ok. Eva continue à chanter. Arrête de chanter l'incantation 1. Et ça, c'est quand j'ai arrêté, effectivement. Kalissa active récupération constante. Non, si, ils ont été utilisés, hein, mes pouvoirs. Hein. Ils ont été utilisés. Venez, venez, doux vent de la mort. Venez, venez, doux vent de la mort. Après, je fais des dégâts perforants aussi. Ça, c'est quand de temps en temps elle tire une flèche. Donc, je sais pas si elle est capable de tirer et en même temps de faire ses incantations. Je sais pas trop. J'ai pas encore. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai pas encore bien pigé le fonctionnement de ces. Le fonctionnement. De ces trucs là. Ok. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est la cata. Alors, on a perdu un petit peu de points là. Elle a perdu un petit peu de points. Aucun script. I'm here. Ah, le chant est activé. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Le chant est totalement activé. J'aimerais quand même voir s'il est possible de faire cette invocation. J'ai pas réussi à faire l'invoque pour l'instant. Oula, il y a des cadavres par ici. Ça, c'est pas bon du tout. Regardez qui voilà. Le dirigeant Glanfathan. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau, écartés et les yeux exorbités, formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kalissa pose le dos de sa main gauche sur sa bouche, comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et piétinent les membres, les dos et les têtes, puis retirent sèchement leurs haches des corps, comme s'ils étaient des bûches fendues, pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère, accentuée par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant
et Odan, le dernier survivant de votre caravane. Posez vos armes, intrus. Ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. On va utiliser connaissance 1. La ruine n'a pas été souillée de nos mains, homme d'Air Glenfan. Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux. Le sang doit couler pour cette intrusion. Alors je le redis, posez vos armes. Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. C'est notre vendeur, hein, notre petit vendeur qui en avait parlé la dernière fois. Alors il y a plusieurs options de dialogue, dont certaines que je ne peux absolument pas faire. Il faut soit puissance, soit perception, donc je ne sais même pas quelles sont les options de dialogue qui vont avec. En revanche, j'ai de l'intelligence ici. Alors, pour le niveau 13 en intelligence et pour le niveau 15, alors évidemment, c'est très très jouissif hein, d'avoir des options de dialogue qui s'ouvrent en fonction de différentes statistiques. Ça, c'est génial. À en juger par le collier des dents d'animaux autour de votre cou, je suppose que vous êtes des adeptes de Galavain. Si Galavain vous intimait de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous? L'homme désapprouve et fait des mouvements comme s'il allait balancer sa hache. Et Odan grimace, mais le coup ne vient pas. Au lieu de cela, l'homme incline la tête, intrigué. Bien sûr, mais il ne le ferait pas. C'est sur l'ordre de tous les dieux que nous acceptons cette charge. Comment le savez-vous? Est-ce parce que cela correspond à leur croyance ou bien à cause de ce que l'on vous a dit? L'homme lance un regard noir. Cela a toujours été su par mon peuple. Je vois. Et que faites-vous de l'édit de Galavain, selon lequel la faiblesse et l'âge doivent être purgés par la jeunesse et la force? Vous pensez que Galavain voudrait de pierres décrépies et effritées pour survivre longtemps après que leur constructeur soit retourné à la poussière? Les naseaux de l'aube flamboient tandis qu'il fulmine. Non, il ne le ferait pas, il nous a dit le contraire. J'en suis sûr. Mais pas à vous personnellement. Mais pourquoi cela devrait-il vous empêcher de tuer des innocents? Distrait, la prise de l'homme fléchit sur la poignée de sa hache et il la laisse presque tomber, donnant à Eodan le moment nécessaire pour se placer hors de portée de son geste qui vient trop tard. Hurlant de rage, l'homme vous charge. Donc, alors lui, il a réussi à s'échapper. Je sais pas trop ce qu'il voit en combat, mais c'est pas grave. Je pense que Eva est tout à fait prête à chanter. Alors, il y a des... Il y a le dirigeant qui est là, et puis il y a des chasseurs sur les côtés. Donc, Eva va tirer sur ceux-là. Alors, ça c'est un chasseur, il vient déjà de se prendre une attaque. Ça c'est bien. Là, vous voyez que les pouvoirs... Les pouvoirs sont en train de se mettre en place, hein, on le voit avec ce cercle de lumière qu'il y a autour de moi. Alors, je sais pas qui l'a pris, bah, c'est le dirigeant qui l'a pris en pleine poire. On va envoyer Kalissa sur le dirigeant, justement. Et notre vendeur, là, il va essayer de se farcir le chasseur qui est derrière. Il est en train de morfler, lui, hein. Toujours pas mort l'autre? Pas possible. Ah non, il est toujours pas mort. Est-ce qu'il y aurait moyen? Non. Là, il y a moyen. On va faire donc venir notre incantation. Ah, apparemment, c'est pas Friendly Fire. Ah, tant mieux, ça nous arrange. On va faire ça comme ça. Les éclairs sont tombés. Ils ont fait très très mal. Lui, on va l'isoler parce qu'il est pas mal ensanglanté, là. Voilà. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible, sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure de vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile.
renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter sur votre peau, comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante. Et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, tailladé du bus aux intestins, le corps d'Odéma s'agite, et au prix d'un grand effort, lève sa tête affaissée. Les yeux à peine ouverts, il vous regarde directement. Get inside. Run. Allez à l'intérieur, courez. Ici, il y a une puissance assez phénoménale qui se déchaîne. Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Eodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Eodan et le renverse sur le sol rocailleux. Contenu, Eodan s'en prend à son assaillant épuisé, mais lutte pour se défaire de son emprise. Ils sont proches de vous. De votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible. Alors, on peut faire un truc avec dextérité 15, mais c'est pas du tout dans mes stats. On peut laisser Eodan se débrouiller seul ou tirer sur l'assaillant. Je vais tirer sur l'assaillant. Vous avez bien visé. Le choc permet à Eodan de se libérer. Eodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté et une de ses mains lâche prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Eodan arrive à poser pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcit et semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre, sous vos pieds, dans votre poitrine. Comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence à s'effondrer sous son propre poids. Bon, voilà une expédition en caravane qui ne tourne pas exactement comme on l'avait prévu. En tout cas, je suis content parce que dans le combat, j'ai réussi à faire mon invoque, mais il faut vraiment que je revienne sur le personnage d'Eva pour bien voir l'option de l'invoque, sinon on la voit pas. Est-ce que c'était un biawak? Ça ne peut pas être autre chose. Alors nous avons de la chance d'être encore en vie. Et nous sommes les seuls. On ne peut pas rester ici. Il pourrait y avoir un nouvel éboulement. On ne pourra pas sortir par là, en tout cas. Allons voir à l'intérieur. Donc, quête réussie, un moment de répit. On a gagné 1233 points d'expérience. Alors, ouais, je disais, pour vraiment voir ses capacités, voilà, il faut vraiment... Ouais, il faut aller sur son portrait et il faut se mettre au niveau du 1, ici, là. Voilà. Sort d'incantateur de premier niveau. Sinon, on le voit pas, tout simplement. Si je passe à un autre personnage et que je reviens sur elle, on le voit pas. Donc, faut que je fasse super attention parce qu'il faut vraiment aller sur les pouvoirs ici. Alors, après, il doit sans doute exister un moyen de faire des raccourcis. Très, très probablement. Ouais. Bon, enfin, maintenant que je le sais, en tout cas, ça va évidemment être mieux. Du coup, Eva va se mettre complètement derrière. Je sais pas trop ce qu'il, je sais pas trop ce qu'il fait dans la vie, lui, là. Bah, c'est un bandit, hein. Bandit de premier niveau, d'accord. Il a des antécédents de vagabond. Voyons à ses stats. Pas mal en dextérité. Une bonne perception. Donc il est assez fort en interruption, en déviation et en réflexe. Ouais, donc effectivement il a le profil de la petite frappe avec de l'athlétisme. La mécanique pour le désamorçage des pièges, le crochetage des serrures, etc. On a récupéré une sorte de voleur en fait. Hein. Il a des capacités de frappe aveuglante, d'esprit combatif et d'attaque furtive.
Ce qui est plutôt pas mal. Il fait 10 à 14 dégâts. Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'il a comme matos un petit peu ce Lascar? Il a une armure intermédiaire. Vitesse de récupération moins 30%. On a trouvé quelques armures. Réduction des dégâts. Et celle qu'il a, elle fait 6. Donc elle réduit plus de dégâts que cette armure de peau. J'ai des vêtements de Direwood ici qui ont une valeur de 0 en blocage de dégâts. Par contre, je suis pas sûr. Ça, c'est combien? C'est 8. Je vois pas trop l'intérêt qu'elle ait ce plastron, en fait, la miss là. Ouais, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est pas bien pour elle ça. Ça vaut 0. Je me demande si je vais pas la laisser comme ça là, parce que finalement en plus elle est vachement belle. Elle est superbe. Et je pense pas qu'une armure lui soit utile à grand chose en fait. Elle a quoi? Elle a une armure d'écaille. Avec une récupération à moins 35%. Ça protège contre le tranchant, le perforant et le givrant. Perforant, brûlant, givrant. Mais surtout ça. Une réduction de dégâts de 8. Et c'est elle qui est toujours devant. Donc je serais plutôt partisan de l'équiper de ça. Pour qu'elle soit mieux protégée. Et comme lui sera juste derrière, on pourrait très bien lui mettre ça. Qui est un petit peu plus protégé. Après bon, faut que je vois si Eva se fait attaquer au corps à corps. Mais je suis pas du tout sûr qu'elle se fasse attaquer au corps à corps. Là elle attaque à deux mains, avec cette torche. Je me demande si ça serait pas plus sage de lui mettre un bouclier. Avec, qui ajoutera 12 à sa déviation. Améliore modérément la protection au détriment de la précision. Ouais. Je pense qu'on va peut-être faire ça comme ça. Elle va être vraiment devant, elle, donc il faut quand même qu'elle soit un peu plus protégée. Un peu plus protégée, la miss. Endurance, plus 38. Alors, c'est pareil. Comme c'est elle qui va être au premier plan, je pense que ça serait bien qu'elle ait un objet rapide de récupération de points de vie. Voilà. Bon, sachant que moi, j'avais pas dans mes incantations de phrases qui permettent de rendre des points de vie. Peut-être que ça sera le cas plus tard, hein, d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant, je n'ai pas ça. Voilà, donc lui, il a une armure là qui est un petit peu plus efficace. Il a deux poignards. Donc il doit avoir sans doute des compétences d'ambidextrie. Ok. Frappe aveuglante, 1 par rencontre, vitesse moyenne, aveuglement pendant 10 secondes. Oh, c'est pas mal 10 secondes. Hein. Ça fait un jet contre réflexe quand même. Hein. Donc si l'adversaire réussit son jet de réflexe, il n'arrivera pas à l'aveugler. Attaque perfide qui éblouit l'adversaire. Inflige des dégâts supplémentaires et aveugle la cible. C'est pas mal. Esprit combatif, c'est un passif. C'est quand il passe en dessous de 50% en points de vie. Il a alors un bonus de précision et de dégâts. C'est l'esprit combatif, effectivement, typique de la race humaine. Attaque furtive. À s'approcher sans être vu, ce qui ajoute un bonus de dégâts supplémentaires à ses attaques. Ce qui veut dire qu'avec ce personnage qui se trouve parmi nous... il doit y avoir moyen... de le mettre en reconnaissance. Ouais, il est vaguement transparent là, donc je pense qu'il est peut-être un petit peu invisible. Ce qui serait une très bonne chose pour nous si jamais il y a des gros vilains pas beaux.
Un des étages souterrains des ruines est envahi par les décombres. On va peut-être juste vérifier s'il n'y a pas des ennemis genre très 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 vilains qui seraient par là. That should be far enough. La respiration d'Eodan est What now? laborieuse. On doit être assez loin, et We maintenant. look for another way out. Storm has On to die cherche une autre sometime. issue, la tempête finira bien par se calmer à un moment ou un autre. Alors. Et les autres voyageurs de la caravane? Je me fais pas trop d'illusions. Qui nous a attaqués? Les Glandfatan. Ce sont les indigènes contre lesquels Odema vous a mis en garde. Je crois que c'était les Fang de Galawain, les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour se battre contre les colons. Pauvre Odema, je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Que s'est-il passé dehors? Elle secoue la tête. Une tempête, d'une sorte qui n'existe qu'à Air Glandfat. Très peu de gens ont la chance d'y survivre, donc il est difficile d'en démêler le vrai du faux. Les Glafintan l'appellent Biawak. Pour eux, c'est le moyen utilisé par les dieux pour récolter les âmes qui n'ont pas réussi à quitter la terre. Mais ils prennent les âmes des vivants et celles des morts sans distinction. Vous avez toujours la vôtre? Alors, ils ont dit que nous avions profané les ruines. Je n'y crois pas. Odema ne le permettrait pas. Mais les Glanfantan ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués. Ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien. Jette un coup d'œil en direction du passage. Ou bien il y a des pillards ici, avec nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Allons-y. Il n'est plus en furtif. On va réunir la petite troupe. Puisque manifestement, là, il n'y a pas de danger particulier qui mène ici. Puis on va pas tarder à couper aussi déjà, hein, parce qu'il y a déjà 41 minutes d'enregistrement. Ce genre de jeu est très chronophage, mais. C'est tellement plaisant à jouer. Ça me rappelle les heures que j'ai pu passer sur Baldur. Alors, il pourrait y avoir des pièges aussi. Je sais pas si on est comme dans Baldur's Gate ou si la détection des pièges se fait de manière automatique. Désamorçage des pièges. Crochetage des serrures. Ouais, il n'y a pas le repérage, il n'y a pas la détection des pièges manifestement. Hein. Non. Donc bon, à voir. On va sans doute tomber sur des ennemis dans ces grottes, évidemment. Il y a quoi pas ici? Là, il y a quelque chose d'intéressant. Une créature tremblante et à l'air malade émerge des ténèbres, la main crispée sur le manche d'une lance. Malgré ses coudes noueux et ses côtes visibles à travers la peau écailleuse, vous reconnaissez un Xorip. Il vous regarde avec prudence en respirant lourdement. Alors, levez les bras et ne bougez plus. C'est bon, je ne vais pas vous blesser. Je te mettrai en pièces, lézard. Reculez lentement. On va lever les bras. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Vous entendez un doux cliquettement émaner du fond de sa gorge. La créature vous renifle et ne trouve rien d'intéressant. Elle recule et reprend sa posture défensive. C'est bon, je ne vais pas vous blesser. Le Xorip recule, les doigts toujours serrés autour du manche de sa lance. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Ah bah, même dialogue. Donc elle recule. Il nous regarde nous éloigner avec méfiance. Je sais pas trop ce qu'il nous veut celui-là. Ah bah il attaque. À partir du moment où on s'approche d'un petit peu trop près. Alors l'incantation est toujours en place. Hein. Je crois que véritablement, tant qu'on décide pas d'en mettre une autre, elle fonctionne en fait. Hein. Donc. Elle va attaquer Eva, ça ne l'empêche pas manifestement d'attaquer. Hein. Elle va attaquer avec son arc. Ouais, il a déjà le doux vent de la mort qui agit sur lui. Il va pas faire long feu. En même temps, on n'avait pas spécialement d'intention belliqueuse. Déviation 12. On va le prendre parce que je sais plus trop le bouclier qu'elle a ici, là. Il est de 12 précision moins 4. Ouais, c'est le même, hein. 12 moins 4. C'est exactement la même chose. Ici, nous avons un vase qui contient un arc de chasse. Deux crochets, on va prendre les crochets. Pas non plus trop m'encombrer parce que je suis pas sûr qu'on soit tout de suite dans une ville. Donc si je commence à embarquer tous les pauvres arcs que je trouve,
On n'a pas fini. Ah, il y a un corps ici. Ah d'accord, bon. Une gemme de soulagement, Enguitan. Cette gemme bleue brillante a été sculptée en forme d'œil. Je sais pas si elle a des propriétés magiques. Une torche, un journal en pièces, une armure de cuir et une petite arbalète. On va prendre l'arbalète, la gemme, le journal, torche et armure, je vais laisser ça par terre. Ok. Jeter un coup d'œil sur le journal, moi. Ce petit livre est déchiré à plusieurs endroits et plusieurs de ses pages sont tachées de sang. Une des dernières entrées reste néanmoins lisible. Je n'arrive pas à croire à ma chance. En à peine quelques jets de dés, me voilà propriétaire d'un véritable artefact, Enguitan. Le type qu'il possédait m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de valeur à ses yeux. Il n'a pas envie d'aller fouiller dans des ruines. Mais si ce qu'il dit est vrai, alors, et que cette gemme mène à un trésor enfoui, alors je veux bien prendre le risque de me faufiler entre quelques elfes peinturlurés. Je partirai à Silentlys demain matin, puis il me suffira de trouver le bas-relief dont il parlait. D'accord. D'accord. Pourquoi pas. Ici, on rejoint la grande pièce qui est là. Et là, sur le côté... Je sais pas trop... Ouais. Wait. Do you hear that? Quoi non? On entend quoi? On entend rien. Ah, je l'envoie en reconnaissance, lui, ou pas? Non, on avance tous ensemble. Oh là! Un jeune sculptre. Bon. On va demander finalement à tous les personnages d'attaquer, puisque... Ça devrait fonctionner. Je pense qu'elle était trop loin... Placée d'ici, voilà, elle ne pouvait pas affecter. Faut quand même que je fasse attention à ses placements. C'est peut-être pour ça au départ qu'elle avait une armure assez solide, parce que j'ai l'impression que les champs n'ont quand même pas une aire d'effet très 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 grande. C'est peut-être la raison qui explique qu'elle est plutôt prévue pour combattre au corps à corps. Ouais, ça fait partie des ingrédients. Je sais pas où ils sont consultables les ingrédients d'ailleurs. Inventaire. Carte, personnage, journal. Je les ai pas vus dans. Camper. Dans l'inventaire, je les ai pas vus. À moins que ça soit là. Ah si, la réserve. Objet de quête. Ingrédients. Voilà. Voilà, comme ça on peut voir. Les champignons. Tout ce qu'on a ramassé jusqu'ici. La bête printemps, etc. Là, des oreilles de sculdre. Très bien. Nickel. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Il y a un mur. Take a look at the wall. Think we could get through? Une hachette. Ouais, je vais la prendre, histoire de dire. Histoire de la revendre, surtout, en fait. Une crevasse court le long du mur. Du sol au plafond. Une légère brise s'échappe de la fissure. Non, je vais pas le faire tout de suite, ça. Je vais d'abord aller voir dans cette pièce. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a, là, dans cette pièce circulaire. Et puis après, je... J'interromprai ici cet épisode. Oh, ça aurait bien la tête du livre, ça. Regardez ces dalles. Que signifient ces symboles? Ouais. Quête mise à jour. Les ruines de Silentlys. Alors, on va aller voir le journal. Un moment de répit. Atteignez le camp, retrouvez Sparfel, collectez les baies, je pense que... J'ai échappé de justesse à un vent mortel, à l'étrange vent mortel qui souffle sur la vallée. Mais je suis à présent piégé dans les ruines antiques. Alors échappez-vous des ruines, je vais devoir trouver mon chemin... Dans ces ruines pour me mettre à l'abri, j'ai croisé une section de tuiles marquée de symboles étranges. Il y a peut-être un indice sur leur signification dans les environs. Voilà. On peut également prendre des notes, hein. Comme dans Serpent in the Slagland.
On peut prendre des notes aussi. Je pense pas que ça soit aussi utile que dans cet autre jeu, mais biographie d'Eva. Ouais, ça c'est les choix qu'on a fait au départ. Bon, il doit y avoir probablement des indices dans les parages. Il y a le petit cochon qui marche dessus. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, donc pour le coup, je sais pas trop. Je pense que je vais interrompre l'épisode ici et on reviendra sur ce mystère. Je peux aussi passer par là, je pense. Ah oui, d'accord. Il faut se mettre en reconnaissance pour trouver des pièges. D'accord. Donc, hop, vous sélectionnez celui-là, vous mettez en reconnaissance. On avance pas vite, mais c'est ça qui permet de détecter les pièges finalement, hein, en définitive. Donc c'est pas mal. Il est caché là, j'ai pas l'impression qu'il soit caché là, il me fait un peu peur. Pourtant, ici c'est bien indiqué qu'il est en reconnaissance, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait par là, si, ah si, peut-être par là. Wonder who was here. See if they left anything useful behind. Vous voyez, par exemple, près d'un coffre ou quelque chose comme ça. Je me souviens des coffres dans Baldur qui apparaissaient en rouge quand ils étaient piégés. C'était la fonction du voleur, toujours ça. Mais là, j'ai pas l'impression. Il n'y a rien qui apparaît en tout cas. Donc on va fouiller hein, sans trop. Déviation 8. Ouais, pas forcément génial ça. Mais par contre, il n'enlève pas de précision. Donc ça peut éventuellement être intéressant. Si on veut que notre guerrier reste. Matériel de campement, ça c'est super. Vous pouvez l'utiliser pour vous reposer dans la campagne ou dans un cachot. On régénère ainsi entièrement les capacités et la santé des personnages. C'est bien ça. Marteau et burin. De tailler les surfaces dures. Et là, une masse d'armes. Tiens, ça peut être éventuellement intéressant. C'est une arme contendante. On va la prendre aussi. Après tout. Voilà, c'est les deux seuls objets avec lesquels on peut interagir. Et là, il apparaît toujours en bleu parce qu'il reste quelque chose dedans. Quand on a vidé entièrement un objet, il est en blanc. Ok, bah j'ai l'impression qu'il n'y a personne, donc je vais m'enlever la furtivité. Parce que je suis tombé sur ni sur des pièges, ni sur des monstres. Là, il y a un truc à faire ici. Je sais pas trop quoi. Là-bas, il y a le mur. Je pense que ça va être ça, notre prochaine destination. Ça sera le mur. C'est peut-être là qu'on va trouver des indices sur ces dalles. Voilà. Donc, on va tout de suite aller se placer au bon endroit pour le prochain épisode. Hop. Hop et hop, dans le bon ordre, ça serait mieux. Voilà, c'était Etrigan pour la deuxième partie de ce let's play consacré à Pillars of Eternity. Le mystère s'épaissit, on ne sait pas trop où on a atterri. C'est des ruines manifestement qui appartiennent à une très très ancienne culture. Donc il va falloir en percer les secrets, le mystère, et essayer évidemment de sortir de ce réseau de grottes. Puisque il semblerait qu'effectivement sur la caravane, il n'y a quand même pas grand monde qui a survécu. C'est un peu la catastrophe. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.